Ernaud Zirmé, vous aurez deux partants dans ce GNT. On commence par Elixir de Crène qui semble avoir retrouvé une deuxième jeunesse. Oui, bah, quoique 10 ans, c'est pas encore très vieux. C'est pas encore très vieux, mais c'est vrai que pour un trotteur, ça paraît. Non, non, il était tout neuf, il n'a pas énormément souffert dans sa carrière. Il a eu des moments de beaucoup de moments de méforme, mais là, bah, voilà. Il a retrouvé une très grande forme et il le montre sur les pistes. On est très content que ça dure. Bon, là, malgré tout, bénéficier d'un très bon parcours dernièrement, Ah la semaine dernière. oui. Bah, la semaine dernière, même la course d'avant qu'il remportait, il a eu un très bon parcours. Il n'a pas beaucoup souffert, ça lui a permis de venir accrocher cette place dans le quintet la dernière fois. Bon, il est à sa place, il a fait sa valeur. Il trouve à Nantes un engagement, bah, pourquoi pas dans ses cordes, hein, il faut qu'on court les engagements qu'on a à courir. En province, c'est plus facile pour lui. Et ben, on espère qu'il va bénéficier d'un bon parcours et puis pourquoi pas tirer son épingle du jeu et puis accrocher une petite place. Oui, puisqu'il suffit de bien démarrer, occuper une bonne position et d'attendre avec lui. Oui, c'est ça. Comme il est assez simple à driver, ben voilà, on n'a plus qu'à compter sur un bon parcours. Une possibilité pour une 4-5e place, comme l'autre jour. Voilà, oui, 4-5e place. Au 4-5e, on va être très content.